Guinéen d'origine, malien de naissance, burkinabé d'adoption, il est griot avant tout, mais surtout c'est le plus grand acteur africain que j'ai le plaisir d'accueillir ici. Merci Sodiki Kouyaté d'être notre invité sur le plateau des cinémas du monde pour TV5 Monde ici au 62e Festival international du film de Cannes. Vous avez reçu l'Ours de Berlin, la grande récompense pour l'acteur extraordinaire que vous êtes. Et là, il y a une grande récompense avec Culture France qui vous est remis. Vous, l'homme de théâtre, l'homme d'engagement, la danse, le cinéma, l'acteur, l'homme de la rencontre. Vous avez toujours cette soif d'aller vers les autres, d'aller toujours au-delà des apparences, au-delà du monde visible. Oui, parce que je pense que on est dans deux mondes, le monde visible et le monde invisible. Tout a une vie, Makan a une vie, parce que dans ma culture, nous représentons notre âme d'abord dans un arbre, ensuite dans un animal et ensuite la personne. Nous avons mis la nature avant nous. Aujourd'hui en Occident, on dit protection de la forêt, on dit protection des animaux en voie de disparition. Or nous avons commencé à les protéger avant nous-mêmes. Bon, et chez nous, pour encore dire, on dit regarder l'autre. N'aie pas peur de le fixer dans les yeux. Et un jour, en regardant sérieusement, vous finirez par vous voir dans ses yeux. Et vous comprendrez que ce qui vous rapproche est beaucoup plus ce qui vous éloigne. Oui, et il y a quelqu'un qui a voulu vous rendre hommage, c'est Peter Brook, Sodiki Kouyaté, que vous aimez tant. Nous l'avons été le rencontrer, il a dit quelques mots pour vous, écoutez-le. Sotigui est à la fois un homme profondément vrai à ses racines africaines et en même temps, ce qui est tellement rare, l'ouverture directe sur tout ce qui se passe autour de lui à l'instant même aujourd'hui. Ça vous fait quoi d'entendre ça? Mais Peter, comme Jean-Claude Carrière, que j'ai connu les deux premiers, m'ont beaucoup apporté et ils continuent à m'apporter. Qu'est-ce que j'ai appris avec eux et que je continue à apprendre? Que je suis venu avec des valeurs, mais leurs rencontres m'ont confirmé dans ce que j'avais, qui était en moi enraciné. Puisque pour Peter, un travail n'est jamais fini. Et pour Jean-Claude Carrière, c'est pareil. Toujours, et Brooke, à la fin d'une pièce, dit que c'était, après même d'avoir joué 2 ans, 3 ans, il dit que c'était sur le point d'être ce qu'on cherche. Et Jean-Claude Carrière, je me rappelle encore, et je le répète, il peut le témoigner ici, après avoir joué une pièce 2 ans, le jour de la dernière en Avignon, et il me trouve 10 minutes ou 7 minutes avant la pièce avec un écrit pour dire si tu te rappelles, tu chantes cette phrase. Mais si tu ne t'en rappelles pas, ce n'est pas grave. Bien sûr, ça ne me quitte pas. Alors, ça veut dire qu'un travail n'est jamais fini. Oui. Et moi, je trouve que la perfection n'est pas à notre portée. Oui. Mais on peut être tout, ce n'est pas de ce monde. Alors, mais on peut toujours chercher à la recherche d'une qualité. Oui, cinéma africain pour vous, Sodiki Kouyaté, aujourd'hui, c'est la culture africaine, ça a un sens, ça veut dire quelque chose quand on est ici à Cannes, on a quelque chose à dire. Mais moi, je pense que dire le cinéma africain, ça me fait sourire parce que ça me dérange. Oui. Il n'y a pas, à mon sens, un cinéma africain, il y a un cinéma, voilà, qui vient d'Afrique. Le cinéma n'a pas de couleur, il n'est pas rouge, il n'est pas blanc, il n'est pas jaune. Quand j'ai fait Antigone de Sophocle, on dit Antigone noire. J'ai dit, il n'y a pas d'Antigone noire, il y a une Antigone. Ils disent Antigone visitée par l'Afrique. Bon, bref, ça c'est autre chose. Et à dire... Moi, quand on me demande de m'identifier
Je dirais tout simplement, si je ne vais pas rentrer dans le détail, je dis je suis fils de l'Afrique, citoyen du monde. Oui, citoyen universel, oui, la recherche de l'homme universel. Voilà, c'est ça qui, en gros, motive toute votre démarche culturelle, tout théâtre, cinéma, acteur. Absolument. Et aussi, on dit compétition, qui ne veut pas dire rivalité. Il faut rencontrer les autres, découvrir leurs richesses, leur culture, pour renforcer ce que vous avez. Comment vous définiriez, Sotigui Kouyaté, l'acteur? Qu'est-ce que c'est qu'être acteur, en quelques mots, pour vous, acteur, le grand acteur? Je pense que tout le monde est acteur. Tout le monde joue un rôle dans sa vie, comme vous-même, vous êtes en train de jouer un rôle. Vous jouez votre rôle. Donc, un acteur, d'abord, c'est un être humain. C'est quelqu'un qui s'exprime, qui dit quelque chose. Voilà, moi, je préfère, puisque mon père me disait, Baba, puisque je suis l'homonyme de son père, Baba veut dire père, c'est le jour que tu feras quelque chose, que tout le monde viendra te féliciter. Il n'y a pas une seule personne qui vous dise, je n'ai pas aimé. Il faut comprendre que ce que tu as fait n'est pas humain. Il faut qu'il y ait l'humain au centre de tout ce qu'on fait. Je peux faire quelque chose, qu'on me dise bien ou mauvais, ça c'est autre chose. Mais quand on me dit je ne suis pas concerné, ça me touche. Merci. Voilà. Merci Sotigui Kouyaté pour cette belle phrase et puis surtout ce bel hommage qui vous est rendu ici au pavillon des cinémas du monde avec TV5 Monde au 62e Festival de Cannes qui vous honore pour ce que vous êtes, pour ce que vous représentez et pour l'âme que vous êtes. Merci Sotigui. Oui, mais moi je dirais qu'il nous honore. Parce que chaque Africain porte en lui l'honorabilité, la fierté de l'Afrique. Alors, c'est un hommage pour toute l'Afrique. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. On dit, et vous qui venez de me donner tant d'éloges, c'est vous qui avez ces qualités, puisque c'est les gens qui vous portent. Eh bien, le sage, c'est pas celui qui pense qu'il est sage, mais c'est celui qui reconnaît la sagesse. Merci beaucoup, Sotigui. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Groups of Londoners are standing on corners asking themselves what has happened here and who could possibly have done this. Dozens of the survivors were... Police, please. My daughter's missing. I'm looking for his son. I met this African who's got a photograph of her at the mosque. Your daughter, not his son. Police believe they're dealing with Britain's first suicide bombs. She's being converted. I don't know what's going on. I'm really scared. No, where's my daughter? What did you say? Thank you.